Ma prochaine invitée est une comédienne aimée du public, et ce, depuis longtemps. Depuis peu, elle nous offre son premier livre intitulé « Tout est parfait ». Je reçois avec joie et un petit peu de fébrilité, Madame Sylvie Boucher. T'es fébrile. Oui. Mais voyons! Non, mais je suis vraiment très heureuse de vous recevoir, Sylvie, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à parler. On a 12 minutes ensemble, ce qui est un privilège pour une animatrice, je trouve. Mais d'abord, je me demandais, c'est quoi le métier le plus difficile à avoir, à vivre? Est-ce que c'est le métier de comédienne ou celui d'auteur? Parce qu'on peut ajouter le mot « auteur » maintenant à la liste. Ni un ni l'autre, je te dirais. Moi, je baigne dans l'un comme dans l'autre. J'ai pas de difficulté. C'est juste un nouveau. Pour moi, être auteur, c'est nouveau. C'est mon premier livre. Je pensais jamais l'écrire. Et c'est grâce à toi. Un peu. C'est grâce à Julie. Si j'ai écrit mon livre, elle m'a référé à Michel Ferron. Elle m'a recommandé de le... Mais ça, c'est drôle que vous en parliez parce que, en fait, c'est un matin où je me suis levée avec cette intuition-là de vous écrire puis de dire, me semble qu'il y aurait quelque chose à faire avec ce manuscrit-là, me semble que ça devrait être rendu public. Oui. C'est juste, il y a juste des jours où on a une intuition. Exactement. Qui nous porte. Puis je pense qu'il faut l'écouter. Donc, je disais quelque part, quand on s'était rencontrés, que ça aurait pu être moi, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre aussi. Mais Christine avait déjà ouvert la voie. Christine Michaud, oui. Qui m'avait déjà dit aussi, tu devrais peut-être publier. Puis j'avais fait, bien, voyons donc. Fait que toi, quand t'es arrivée ce matin-là, j'ai fait, OK, là, il n'y a pas de hasard, vraiment. Là, la vie essaie oui. de me dire quelque chose. Et justement, dans ce livre-là, Tout est parfait, c'est votre philosophie oui. de vie. Mais d'abord... Moi, ce qui m'a titillé un peu, c'est que moi, je suis de nature discrète. Je suis pas une personne connue, mais j'ai un peu de malaise avec les gens qui, par exemple, sur Facebook, vont partager des choses. Je les envie un peu d'avoir ce courage-là. Puis dans la première partie du livre, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui sont difficiles, des pans de votre vie qui doivent être difficiles à rendre public. Est-ce qu'il y a eu une hésitation quelque part dans la rédaction du manuscrit? Parce qu'entre l'écrire toute seule oui. devant son ordinateur, puis publier le truc, il y a un monde, là. Mais moi, je suis en paix avec tout ça. C'est-à-dire oui. qu'au départ, je ne voulais pas parler du tout de mon cheminement. Je ne voulais pas que ce soit biographique. C'est l'éditeur qui m'a fortement recommandé de situer les gens aussi, que les gens ne pensent pas que je suis née sur un nuage. Oui. Tu comprends? Pour oui. écrire un livre comme ça. Oui. Il m'a dit, c'est sûr que si tu parles de ta vie, d'où tu arrives, de ce que tu as vécu, ça va probablement donner beaucoup de courage aux gens. Tu sais, quelqu'un qui me lit, qui fait « Ah, wow, elle a vécu ça, moi oui. aussi! » Tu sais, il y a un sentiment d'appartenance où on se reconnaît entre oui. personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Fait que ça donne le courage aux personnes de faire « Bien, si elle est capable, moi aussi, je suis capable. Oui. » Fait que c'était le but de ça. Mais je t'avoue que ça a été la partie la plus difficile à écrire, pas à cause des souvenirs. C'est juste que moi, quand je tourne la page, je la brûle. Oui, OK. Pas de retour en arrière. Jamais. Je ne m'accroche pas au passé, pas en tout. Fait okay. que moi, me demander des dates, puis en quel moment c'est arrivé, pour moi, là, c'est compliqué, là. Ça m'a demandé énormément de réflexion, d'essayer de remettre dans le temps qu'est-ce qui est arrivé avant. Ça a été la partie la plus ardue pour moi. Puis je trouve que justement, la force d'avoir eu le courage de publier ça, c'est que ça rend la personnalité connue qu'on peut juger comme étant au-dessus de tout ça, plus humaine. Exactement. Puis justement, comme vous dites tantôt, on lit ça puis on dit « OK, je suis pas toute seule, elle aussi. » Puis donc, si elle a la vie rêvée maintenant, c'est donc qu'il y a un chemin quelque part qu'il faudrait que j'apprenne à fréquenter. Exact. Donc, la deuxième partie, c'est cette philosophie, justement. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Comment c'est arrivé, justement, d'être en mesure de dire « Bien, tout est parfait, tout arrive pour une raison. » Comment on arrive, là? C'est un long processus. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un peu comme aller au gym et travailler tes muscles. Les abdos et tout. Exactement. C'est une philosophie qui se vit quotidiennement, à chaque instant de ta vie. Tu fais travailler ton esprit. Tu prends conscience que tout ce qui t'arrive, c'est toi qui l'as créé. Donc, au début, c'est sûr que moi, maintenant, c'est comme une seconde nature. Oui. Ça fait partie de moi, de qui je suis. Mais au début, je me poignais souvent en train de chialer, en train d'avoir des pensées vraiment arc. Ou de blâmer les autres. Blâmer les autres. C'est pas moi, c'est lui. Puis quand tu fais ça, tu n'as aucun pouvoir de changer quoi que ce soit. Exactement. T'es prisonnière de l'autre. Du bon vouloir de changer de l'autre et qui ne changera, je peux te le garantir,
Jamais. Oui. Pourquoi il changerait? Exactement. Donc, si lui décide pas de changer, il n'y a pas de raison de changer. Toi, tu es en attente pour le restant de ta vie que cet être-là change pour que tu sois heureuse parce que ton bonheur dépend de lui. Aïe, aïe, aïe. Mais une des manières qu'on voit dans le livre aussi, c'est d'arrêter de s'attacher à ces souffrances-là. Mm-hmm. Donc, c'est de se dire que, de voir, j'imagine, l'événement, puis de se dire ça arrive pour une raison, je la connais peut-être pas encore pour l'instant, mais de pas s'accrocher à la souffrance qui vient avec ces événements-là. Exactement. T'sais, on a tendance beaucoup à aimer nos problèmes. Oui. Ça nous donne de l'importance. Ça fait que les gens s'intéressent à nous. Ah, oh, pauvre elle, elle fait donc pitié. Ah, moi, là, je peux pas aller là, la pitié. puis d'ailleurs, l'entourage, vous l'abordez là-dedans, c'est super important parce que si notre entourage nous valorise dans nos souffrances, dans notre côté victime, bien, on reste s'en sortira là-dedans jamais. Parce qu'on gagne encore à adopter ce visage-là de victime. C'est sûr qu'on... Il faut s'attendre à perdre des amis ou de la famille si on change, si on décide de se prendre en main. Est-ce que ça a été votre cas, justement? Moi, j'ai fait du ménage plusieurs fois dans ma vie. Je peux plus, je m'attarde plus à des relations qui vont pas dans le même sens que moi. Je dis pas que je connais tout et que je sais tout. C'est pas ça, là. Non. C'est juste que si c'est pas sur la même fréquence que moi, je peux pas perdre mon temps avec des relations. Pour moi, ça va nulle part. On n'est pas sur le même poste. Il y en a une qui écoute 105.7 puis l'autre qui écoute 98.2. Ouais. Ça marche pas, on s'entend pas, on s'écoute pas, on se comprend pas. Ouais. Donc, c'est pas parce que moi, je suis 105.7 que je suis mieux que 98.2. C'est juste que c'est Mais ma fréquence. C'est juste qu'on se connaît. Donc, si on a notre pouvoir de notre vie entre nos mains, pourquoi pas choisir le poste? Exactement. C'est un peu ça. Puis tu finis par attirer des gens qui sont sur le 105.7. Oui. Tu finis par attirer des gens sur la même fréquence que toi. Puis il y a aussi dans le livre, quelque part, où il est question que la pensée crée. Oui. Puis ça a l'air super abstrait, je pense, pour les gens qui n'ont pas encore adopté cette gymnastique-là. Moi, j'y songe, j'y vais de temps à autre, mais moi aussi, je me surprends à l'occasion à focaliser sur des choses qui sont stressantes. Et bon. Alors, c'est quoi l'explication, justement, de cette pensée qui crée? Comment, concrètement, on peut voir si on crée quelque chose de bien ou pas? Mais tu le vois, c'est presque instantané. Quand tu si t'es en train de penser que j'ai pas d'argent, ça va pas bien, regarde instantanément autour de toi, ça va pas bien ta journée, tu vas avoir une journée plate, puis tout va s'enchaîner vers le bas. Si tu pars ta journée là-dedans, focaliser sur ce que t'as pas, mettons, sur le manque, tu vas avoir une journée dans le manque. Ouais. Si tu focalises, tu commences ta journée dans la gratitude, merci. Merci même d'être quand là, des fois, on ne se croit pas. Est-ce que ça se peut que, justement, quand la gymnastique est en train de se créer dans notre mental, qu'on puisse essayer très fort de commencer dans la gratitude ce matin-là, même si c'est pas simple? T'sais, on sourit, mais on n'est pas sûr. Puis, à un moment donné, notre visage finit par croire, notre corps finit par intégrer. Parce qu'il y a toujours quelque chose dans ta vie, même si tu passes à travers des épreuves, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un dans ta vie qui te met un sourire d'en face. Ça peut être ton chien, ça peut être une amie, ça peut être, je sais pas moi, une chanson que tu écoutes qui fait « Ah, oh, je vois que tu écoutes ça ». Écoute-la. Commence à programmer ton cerveau à aller bien, à voir les choses qui te font plaisir. J'ai du plaisir à faire de la Zumba. Oui. Ça me met un smile dans la face instantanément. Puis c'est bon pour la vibration au niveau de la musique aussi. Parce que c'est pas de la musique triste, là. Non. C'est hop, la vie. Puis je commence ma journée comme ça tous les matins. Je vais faire mon cours de Zumba à Sainte-Anne-des-Lacs. Je m'amuse comme une folle. J'ai le sourire dans... Essaye, après ça, d'avoir une journée plate. Oui, c'est ça. C'est dur, hein? Effectivement, c'est difficile. On a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder. Je l'ai dit tantôt. Vous avez amené des bijoux parce qu'il y a la collection Sylvie Boucher. Comment c'est arrivé, justement, ce désir de créer des bijoux? Mon amour des pierres, tout simplement. J'aime beaucoup, beaucoup les pierres. J'en traînais toujours dans mon sac à main, mais c'était des grosses pierres de toutes formes, de toutes sortes, puis ça finissait par être très lourd. Pour éviter la tendinite. J'avais tout le temps la sacoche de même, là. Fait que j'ai décidé de créer des bijoux. Au début, j'ai commencé tout simplement par des petits bracelets, des bracelets de cheville, rien de compliqué, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai comme pris goût à tout ça, puis là, je fais des choses un peu plus recherchées, un peu plus...
Donc, c'est dire aussi que les pierres ont un pouvoir. Oui, ils ont des propriétés. Donc, quand on les connaît, ou j'imagine que sur le site web, avant de faire l'achat, on peut découvrir la propriété. Oui, exactement. Toutes les pierres sont nommées et avec leurs propriétés. Puis j'imagine même que si on fait la recherche, puis qu'on y va selon le look, probablement qu'il n'y aura pas de hasard, et puis qu'on va tomber sur la pierre exactement ce dont on a besoin. Exactement. Il ne faut pas y aller avec le look, il faut y aller avec ce que tu ressens dans ton cœur. Quand tu as la pierre dans tes mains ou sur toi, tu vas le savoir tout de suite. En fait, on pense qu'on choisit la pierre, mais c'est elle qui nous choisit. Il me reste une minute. J'ai quelques questions courtes, réponses courtes, OK? Donc, vous habitez les Laurentides depuis un bout. On va l'apprendre dans le livre, mais je lance la nouvelle, c'est pas mal le cas. Une adresse de prédilection? Le gym 117 à Saint-André. Pour le Zumba, entre autres. Ah, tout. Pour les propriétaires, pour vraiment l'ambiance. OK. Un livre coup de cœur, à part le vôtre, qui a changé quelque chose dans la vie, peut-être? Tous les livres de Paulo Coelho ont changé quelque chose dans ma vie. À chaque fois que j'en ai lu un, il y a une transformation qui s'est faite. Puis il y a le pouvoir du moment présent aussi. Ça aussi. Donc, il y a des questions souvent là-dedans. Est-ce que vous pigez encore une phrase, une page? Oui. Quand l'instinct est là, je le fais. Oui. Parce que ça aussi, c'est une clé dont on parle dans le livre, le pouvoir du moment présent. Oui. D'être dans le moment, ici et maintenant. Comme on est là actuellement, on oublie les caméras, on oublie le temps dans l'oreille qui défile. Qu'est-ce qu'on pourrait être étonné d'apprendre sur vous? Je sais pas. Sincèrement, j'ai aucune idée. Donc, si les gens veulent savoir, il faudra aller vous voir sur Facebook. Peut-être que vous allez répondre à ma question sur Facebook éventuellement. Quand je ne m'étale pas beaucoup sur Facebook. Non, moi non plus. Non, je ne parle pas de ma vie privée. OK. Donc, il n'y a rien finalement. Peut-être que les gens vont tout découvrir là-dedans et être étonnés justement de ce qu'ils vont apprendre dans Tout est parfait. Alors, j'aurais eu plein d'autres questions, mais le temps est déjà écoulé. Merci beaucoup d'être passé. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà terminé pour cette 6e émission de la saison. Télé-Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.